bonne chose sur la chaîne. Sur les bras. Voyons. Le club du grand galop. Comme je vous ai dit, je vais vous faire un genre de tuto sur comment serait hypothéquer. Ça ressemble à ça. Premièrement, vous avez besoin de n'importe quel seuil. La seuil noire, aussi kiwi. Et un chiffon. Alors, première étape, vous ouvrez. Je vais juste tosser les choses que j'ai pas. Ça. Et la dernière, ça ressemble à ça. Ouais, mais il est quasiment vide. Ça va faire comme quasiment 4 ans que j'allais. Puis mon pot, il est même pas vide. Il y en a qui ont réussi à vider un pot. Bref. Fait que, la première étape, moi, je commence par ce pied-là. Fait que là, on va jeter le bonnet. Pour rentrer les places à l'intérieur. Bon. Première étape, vous prenez votre chiffon. Kiwi aussi. Et vous mettez votre doigt en dessous pour que il faut que ce soit à plat. Vous allez tourner et je vais juste le laisser. C'est pas confortable sinon. Ouais. Avec là, votre bouille est plat. Commencez, vous prenez la scène. Là, sur votre partie, vous allez cracher. Pas beaucoup. Vous mettez la scène. Ensuite, vous mettez la chaleur. Avec votre. Faites dire. Vous mettez la chaleur avec votre bouche. Crachez un petit peu. Et vous continuez à faire des tirants. Comme ça. Il faut que votre botte soit belle. Chaleur. Et vous pouvez passer des heures à serrer des bottes. Tellement le fun. Jusqu'à temps que ça soit shiny, shiny, shiny. Ben, peut-être pas shiny, shiny. Mais, tu sais, elles sont luisantes. Ensuite, ben, vous rajoutez de la sérum. Parce que, on n'est plus. Et vous continuez. On va faire la vidéo. Sur les deux bottes, je sais pas, peut-être juste une, on verra. Le côté ici, il est plus dur à faire, mais il est faisable. On continue à essayer. Un petit peu de beurre. Il y en a qui mettent de l'eau, mais je trouve que de l'eau, c'est pas utile. La bave est plus utile. Chaleur. Et vous faites toujours des tirants. Votre botte devient shiny. Et voilà. Vous rajoutez de la scie. Encore. On va faire le côté. Et juste le petit coin ici. Chaleur. Tirez un peu. J'ai un petit peu de sein. Et on va faire le dessus. On va prendre un petit peu plus de sein. Mettre un peu de temps. Pas gros. Si on en a trop, c'est pas utile. C'est là.
c'est sûr que les premiers débuts du serrage de bottes, vous allez vous décourager, vous allez dire ça marche pas. Mais ça vient en le faisant souvent. T'sais, moi, disons que j'étais un petit peu paresseuse, disons que je me laisse un peu aller. Je devrais pas, mais bon, j'ai pas le choix. En même temps, il faut que je fasse mes bottes aujourd'hui. Mais je voulais faire la vidéo en plus de pouvoir faire mes bottes. Vous allez pouvoir voir c'est quoi la job d'avoir des belles bottes, t'sais. C'est trop bave, mais c'est pas grave. Il va falloir que serrer plus sur tout. Toute sa chaleur. Le bout du pied est un petit peu dur à faire, mais c'est toute la botte est faisable à faire. Un petit peu pas. Pas beaucoup, parce que là vous en avez mis beaucoup au début. Et vous chaînez encore. Et on a quasiment fini la première botte. Ça va même pas avoir fait 5 minutes. Ensuite, on vient faire le côté. L'autre côté de la botte. On remet de la cire. Et on recommence. De bave. Chaleur. Mais oubliez pas, il y a des fois, il y a toujours une botte qui est plus belle que l'autre. J'ai jamais compris pourquoi, mais on rajoute la série, il en reste pas beaucoup. Ce sera pas chaîne. Ben, à part le fait de faire un uniforme, moi j'aime ça les cadets, je trouve ça le fun. Ça nous prend. Ça nous rend plus responsables de nous-mêmes puis dans la société. Puis je trouve ça bien. On a resté de ce côté-ci. Ah, ça fait combien de minutes? 8 minutes déjà. On va juste faire une botte parce que les deux, ça va prendre trop de temps. Mais c'est la même chose pour les deux bottes. Vous montrer le résultat. Et voilà. La botte, elle est shiny ici. Et voilà. Fait que c'était ça. C'était sur la vidéo comportée sur le serrage de botte. Alors, la chaîne, le Club Le Grand Grado et Maître Bourgard vous disent à la prochaine et très bientôt avant que je parte pour les cadets, je vais vous montrer comment on s'habille. Fait que, bye!